Bon matin. Merveilleux. Je vous attends un brin. Et je vais vous présenter le nouveau cadeau avec Acha. J'ai bien hâte. J'en parlerai aussi avec Nathalie demain matin. Et on est à la semaine 3 du challenge d'octobre. Bon matin, Caroline. Alors, cette semaine, moi, je vous propose d'intégrer, si ce n'est déjà fait, les protéines. Oui, ça peut être évidemment sous forme alimentaire, là, t'sais, donc la salade du midi, ça peut être avec des œufs. Le repas du soir, ça peut être avec des légumineuses ou peu importe ce que vous mangez, si vous êtes carnivore, tout ça. Mais de manger des protéines le matin, le midi et le soir. Ça devrait être le centre de notre repas. Quand on est végé, c'est difficile d'avoir des protéines qui sont assimilables et performantes. Donc, parce que moi, j'en manquais, même si je m'entraînais, je ne développais pas de masse musculaire, j'ai demandé aux pharmaciens de me développer des protéines végétales. Donc, ça, c'était en 2020. Et je vous ai parlé avec Sylvain samedi des protéines aux petits fruits qui ont fait en sorte que Ginette, que j'ai rencontrée au festival, a retrouvé le fer dont elle avait besoin. Parce que dans nos protéines aux petits fruits, on a une teneur en fer vraiment exceptionnelle. Une portion comble 90% des besoins en fer. Et ce mélange aux petits fruits est excellent avec, par exemple, justement des petits fruits, mais je sais que vous les prenez et vous cuisinez avec nos protéines. Donc, tout est permis et tout est bon et allez-y comme vous le souhaitez. Il y en a qui rajoutent les protéines dans leur gruau, dans leur yogourt le matin, mais c'est important de miser sur les protéines, surtout avec le temps. Oui, quand on est jeune, quand on est ado, quand on est des jeunes adultes. Mais plus on avance dans le temps aussi pour rester fort, solide. Et ce que je trouve au matin, les protéines font toute la différence au niveau de l'énergie calme. Souvenez-vous du témoignage que je vous ai lu aussi samedi matin sur une personne, une d'entre vous, qui pensait ne pas, en fait, avoir besoin d'anxiolytiques toute sa vie et qu'avec les protéines et le collagène, j'ai l'impression que c'est davantage le protéine qui a eu cet effet-là. Elle peut ne plus en prendre parce que bien s'alimenter va faire la différence. Donc, je vous. David qui a fait sa commande pour avoir Tropique. Donc, c'est ça. Avant de vous faire mon shake, et je vous ai aussi rajouté pour les initiés, pour ceux qui prennent déjà un shake le matin, le midi ou le soir. Ça peut remplacer un repas. Le profil d'acides aminés est sur chaque sac et il est complet. Donc, en rajoutant une cuillère d'huile, vous avez vraiment. Moi, c'est ce que je prends chaque matin. Donc, maintenant, oui, vous avez un nouveau cadeau avec Acha qui est tropique. Ça fait. Des mois, des mois, des mois, je pense depuis, en tout cas, ça fait très, très, très longtemps qu'on le développe. C'est vraiment mon parfum. Je ne peux pas ne pas le porter. Il est extraordinaire. Charles, notre fils, avait cette envie d'un parfum fruité, mais avec un fond d'élégance. Et donc, on a commencé à le travailler. Quelque part cet été, Nathalie est arrivée avec ce parfum exquis, parfait, parfait, qui est absolument enivrant, qui va plaire autant aux jeunes qu'à nous. Donc oui, là, t'sais, nous, on voulait le lancer quelque part parce qu'on attend nos bouteilles parfum, tout ça, quelque part au mois de novembre pour les fêtes, parce que vous allez voir, il est explosif, merveilleux, envoûtant, enivrant, juste. Est tellement riche, est tellement complet, tellement parfait. Tropical, oui, donc avec de la mangue.
mais avec aussi un fond de suédine, vous avez de la tonka là-dedans, vous avez un beau mélange, juste parfait. Donc, c'est ce qu'on vous offre en cadeau avec un panier de 90 $. Et vous le savez que nos parfums habillent, donc c'est, je pense, l'équivalent de 4 ml. Ça dure très longtemps. Donc, ça, c'est le cadeau qu'on vous offre. On espère jusqu'à jeudi. Ça se peut qu'on n'en ait pas jusqu'à jeudi. Donc, dépendamment de votre engouement, mais sinon, le cadeau changerait quelque part, peut-être mercredi. Mais là, pour aujourd'hui et demain, en ligne, il va arriver dans les maisons mercredi. Nos maisons sont ouvertes aujourd'hui. On est lundi. Bon action de grâce à tout le monde. Si vous allez dans une maison aujourd'hui, et je vous invite à y aller parce que c'est une belle journée pour aller visiter une maison et découvrir ce qu'on a à vous proposer. Tout le monde est toujours épaté en arrivant dans une de nos maisons parce qu'il y a beaucoup de collections, il y a beaucoup de propositions et de possibilités et tout est exquis. Tout est parfait, que ce soit du côté des suppléments ou du côté de l'alimentation, du côté des protéines, tout ça. Vous allez voir, évidemment, au niveau des parfums de maison, des essentiels, du rituel de beauté, du rituel pour le corps, des shampoings. Vous allez vous ravir de tout ce que vous allez découvrir. Donc, vous pouvez venir et sentir, goûter. C'est plutôt pluvieux aujourd'hui. Vous pouvez venir prendre un café. On a des restaurants et des tables à manger un peu partout et prendre le temps et découvrir tout ça. Ce parfum n'est pas encore dans les maisons, il va arriver mercredi. Si vous faites des achats aujourd'hui, Léo, laisse Angèle, excusez-moi, Léo, Léo, elle veut pas jouer avec toi. Bon, je suis désolée. Donc, on va prendre votre nom tout simplement et quand vous retournerez dans la maison, que ce soit cette semaine, la semaine prochaine, vous aurez votre parfum qui arrive mercredi dans les maisons. Non, les maisons ne sont pas fermées, elles sont ouvertes aujourd'hui. Donc, ça dépend si les maisons sont Chicoutimi, je pense qu'elle est fermée. En tout cas, il y a quelques maisons qui sont fermées. Le lundi, mais sinon nos maisons sont ouvertes aujourd'hui. Là, donc ça c'est pour Tropique et j'aurai l'occasion d'en parler plus en profondeur avec Nathalie demain. Oui, je trouve que c'est une journée. Quand il fait beau, c'est une journée parfaite, mais quand c'est plutôt pluvieux, c'est aussi une journée parfaite pour aller dans nos maisons. Caroline dit qu'elle termine justement sa fournée de muffins aux protéines de riz fermentées. Les protéines de riz fermentées, c'est vraiment une belle option, oui, pour les enfants, oui, pour les plus âgés, tu sais, qui manquent de protéines dans chacun de leurs repas, matin, midi, soir. On peut rajouter une cuillère de protéines, ça goûte rien. C'est juste comme une. Et ça s'ajoute bien, tu sais, justement, encore une fois, dans peu importe ce que vous mangez. Moi, je les rajoute dans les repas de Jonathan, donc qui ne mange pas de viande ou de protéines animales. Donc, la protéine de riz fermenté est très, très, très intéressante et c'est 30 $ le contenant de 300 grammes. Vous allez voir, je vous ai mis le lien vers toutes nos protéines. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Les protéines, ces protéines, soit vanille, chocolat ou petits fruits, c'est 77 $. Vous avez 30 portions. Donc, ça revient à 2,56 le shake. Tu sais, pour un repas, oui, c'est sûr que vous pouvez rajouter l'huile TCM, je trouve que ça. Ou l'huile que vous avez à la maison. Tu sais, là, je vous propose l'huile TCM parce qu'on l'a, puis c'est un produit aussi qui est très intéressant pour nous aider à développer de l'énergie et pour aussi avoir un effet de satiété. Mais vous pouvez prendre de l'huile. D'argan, si vous en avez, en tout cas l'huile que vous avez à la maison, pour avoir un bon gras. Le bon gras va faire la différence sur la satiété, sur la peau, va faire une différence sur la digestion et même peut faire une différence dans le cas de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, sur le cholestérol. Donc voilà. Alors, oui, je sais que c'est férié aujourd'hui, mais nos maisons sont ouvertes. Notre bureau est fermé, l'entrepôt est fermé, le laboratoire est fermé, mais nos maisons sont ouvertes, sauf les maisons qui sont fermées normalement le lundi.
Donc, sinon, toutes nos maisons sont ouvertes. Donc, oui, vous pouvez faire un tour avec plaisir et venir chercher les protéines. Moi, si on a un challenge au mois d'octobre, mon challenge, c'est de vous inviter à vous retrouver bien avec l'alimentation, avec le mouvement. Donc, première semaine, on a vu à la digestion, la bonne digestion. Deuxième semaine, là, je vous ai offert un cocktail qui est ma boisson de jouvence pour voir aux articulations, à la beauté et se nourrir d'antioxydants. Et maintenant, c'est les protéines que je vous propose au programme parce que les protéines font la différence sur l'énergie, font la différence sur le bien-être, font la différence à tous les niveaux. Et souvent, le matin, on ne prend pas de protéines. Donc, pour moi, d'avoir un shake de protéines le matin qui est hautement digeste et rentable, qui ne monopolise pas mon énergie de digestion, parce que c'est très, très, très facile à digérer et à assimiler et à métaboliser, ça fait toute la différence. C'est pour ça que je vous le propose le matin, parce que comme ça, vous allez voir qu'est-ce que ça fait d'avoir une belle énergie calme et d'avoir tu sais, d'être bien aussi dans sa tête, d'être bien dans son ventre, vous allez voir ce que ça fait. Donc, le matin, et ça vous fait un déjeuner à 2,56. Tu sais, je trouve que c'est intéressant aussi, avec des protéines vraiment, vraiment, vraiment très intéressantes, du végétal. Donc, voilà. Là, je fais oui, notre huile d'olive, elle est fantastique. Il y en a beaucoup de recettes Amy. Donc, pour intégrer les protéines à nos repas, vous avez juste à aller dans notre section recettes sur le blog et vous allez avoir même il y a un guide de protéines, de recettes avec les protéines qu'on a fait que vous pouvez feuilleter sur le site. Mais dans le fond, prenez votre recette de muffin ou de gâteau ou de crêpe et vous prenez un quart vous substituez un quart de farine par un quart de protéines de riz fermenté. C'est tout aussi simple que ça. Donc, peu importe ce que vous faites. Et ça fait en sorte que votre muffin, votre biscuit, votre gâteau, votre crêpe devient plus intéressante. Donc, voilà. C'est gentil. C'est très gentil. Ce que je fais faire mon lait végétal avec vous. Donc, j'ai mis là, moi, je vous ai proposé sur justement la recette, puis elle est sur le site aussi, derrière les protéines de riz, vous avez ma recette de lait végétal, une recette de base. C'est tout simplement du beurre d'amande, c'est très facile. Puis après ça, vous allez voir ce que vous pouvez rajouter un peu de sel, un peu de vanille, des dattes, si vous ne voulez pas mettre de sirop d'érable. Nous allons vous proposer d'ici peu un mélange de beurre prêt pour faire déjà votre lait. Donc, je vais rajouter de l'eau dedans. Et vous allez voir, c'est assez merveilleux. Donc, ça s'en vient. Ça fait longtemps, ça fait depuis janvier qu'on a cette recette-là de prête. Et déjà, juste en ajoutant l'eau, vous allez voir, ça devient laiteux. Et moi, là, je n'ai pas mélangé, mais vous voyez que ça devient comme un lait déjà. Là, je vais le mélanger. Je suis désolée, ça va faire du bruit, mais je voulais le faire sous vos yeux. Donc, ça, c'est le végétal et c'est très... Il y a une belle mousse, là. Donc, et à ce lait végétal, je rajoute mes protéines. Donc, je vous disais, j'aime bien me préparer deux shakes. Je prends 1 litre de lait. Donc, le lait végétal que vous avez, sinon, vous pouvez faire votre lait à partir du beurre d'amande. Et là, je mets un scoop de protéines végétales à la vanille, qui sont idéales pour les personnes qui ont de la difficulté avec leur système digestif parce qu'elles sont toutes fermentées. Le mélange de protéines, ce sont des protéines fermentées. Et je rajoute un scoop de protéines chocolat parce qu'elles sont très gourmandes et préparées avec le cacao qu'on vous propose aussi. J'en rajoute du cacao. Le cacao est très bon pour la peau. C'est un anti-âge exceptionnel et notre cacao est riche en bons gras aussi.
Donc voilà, je rajoute un scoop de. Et là, je fais mon lait comme ça, puis je vais vous montrer après ce qu'on peut rajouter. Mon Pourquoi je mélange au mélangeur? Parce que ça. On dirait que l'effet de la poudre, parce qu'évidemment, ce sont des poudres, mais l'effet de la poudre va partir avec en le mélangeant au mélangeur. Donc voilà, j'ai mes deux repas de prêt. Et j'ai mis deux scoops de protéines. Donc, et c'est vraiment délicieux. Maintenant, ça, c'est parce que je les garde au frigo. Là, je rajoute mon huile TCM pour avoir cette présence de bon gras. Donc, moi, je mets une cuillère à thé seulement. Donc, ça vous fait plusieurs portions. Et ce que je vous disais, ce que vous pouvez ajouter, ce que moi j'aime bien ajouter, ce n'est pas nécessaire. Mais là, l'option la moins dispendieuse, ce sont les épices citrouillées. Et consommer des huiles essentielles lorsqu'elles sont bien choisies. Là, vous avez dans les épices citrouillées 150 gouttes. Et vous avez, par exemple, de l'huile de girofle. Vous avez de la muscade, vous avez de la cannelle. Et chacune des huiles est vraiment intéressante. Elles ont des propriétés antimicrobes, par exemple. Mais vont aller plus loin. La cannelle est très bonne pour la laine, par exemple. Et ça va aller. Vous pouvez aller voir ce que ça, chaque huile essentielle, pourquoi elle a été ou est étudiée. Par exemple, la girofle contient de l'eugénol. Et qu'est-ce que l'eugénol fait dans notre système? Moi, je trouve tout simplement que des épices comme ça, sous forme d'huile essentielle, c'est euphorisant. Ça goûte. J'en mets à peu près 7 gouttes, mais là, allez-y par chèque. Mais allez-y selon ce que c'est votre goût. Est-ce que vous aimez ça? Là, il m'en reste presque plus dans ma bouteille. Donc, je vais plus comme ça. Donc, ça, c'est juste pour donner un kick. Et vous allez le sentir. Vous allez voir ce que ça fait. C'est très stimulant. Et de vivre nos journées avec des huiles essentielles dans notre métabolisme, ça fait la différence. Donc, ça, c'est, je pense que c'est 17,50 pour 150 gouttes. Et l'autre ajout, ce n'est pas nécessaire encore une fois, mais pour les personnes qui sont déjà friands de nos shakes de protéines, par exemple, et qui ont besoin de faire face au stress ou qui ont besoin ou qui veulent venir stimuler leur santé cognitive, on peut rajouter ce mélange très, 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 très intéressant de champignons et adaptogènes. Vous avez, oui, de l'amla, de la shwagandha, de la maca, vous avez du rhodiola. Rhodiola, vraiment épatant pour justement garder une belle énergie mentale. Vous avez ensuite des champignons, et on en a parlé de chacun d'eux aussi. Il y en a un qui va favoriser, par exemple, la lucidité. Vous avez la crinière de lion qui est vraiment très intéressante pour la santé cérébrale. Vous avez de l'astragale. Tu sais, vous avez un mélange vraiment ultra performant. Vous avez une petite dosette dedans. Moi, j'y vais à peu près. Ça non plus, on n'en met pas beaucoup, là. On y va avec la dosette parce que c'est un produit de santé naturelle homologué aussi, comme adaptogène. Donc, très, très, très intéressant. Puis, vous avez toutes les ingrédients médicinaux et ce qu'ils font. Donc, dans la description, je vous ai mis le lien vers la fiche. Donc, ça peut donner un petit plus, surtout quand on est en période de stress, par exemple. T'sais, on n'est pas obligé d'en prendre à tous les jours. Ça goûte le chai. On a mis un mélange d'épices chai. Les épices, ce sont des concentrés nutritifs qui viennent supporter, outiller notre métabolisme. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce sont les ingrédients qui sont là, plus les épices, c'est tout. Et ça goûte le chai. Donc, tu sais, je trouve que c'est réconfortant d'avoir cette boisson et cette teneur en épices. Voilà. Alors, ça, c'est mon shake du matin. Encore une fois, c'est délicieux. Et je n'ai pas d'effet poudre dans mon shake. Donc, si vous voulez faire disparaître l'effet poudre, vous le mélangez au mélangeur, au blender. Parce que c'est comme ça que ça arrive à tout se fondre dans votre lait, dans votre eau.
quand je suis en voyage, je prends tout simplement, je vais prendre deux, par exemple, scoops de protéines chocolat, puis je vais mettre dans mon shaker d'eau et je secoue et c'est ma nourriture. Je vais me faire des repas comme ça. Donc voilà. On peut prendre, oui, dans l'eau, les huiles essentielles vont flotter, mais alors la différence, Marie-Claude, entre le. Je ne comprends pas, je vais juste. La différence, et après ça, carrément, je vais vous répondre. La différence entre champignons et adaptogènes et énergie et adaptogènes qui sont sous forme de capsules, vous avez les deux des adaptogènes différents. Il y a plusieurs adaptogènes dans le monde. Les adaptogènes sont là pour nous aider à faire face au stress. Dans ce cas-ci, ce sont des adaptogènes vraiment qui favorisent une belle santé cognitive aussi. Donc, vous avez, tu sais, différents ingrédients. L'autre, ici, c'est pour faire face au stress, tandis que l'autre, c'est vraiment, ça va donner de l'énergie. Quelqu'un qui est en baisse d'énergie. J'ai demandé l'autre formule au pharmacien pour remplacer le café, pour pouvoir avoir de l'énergie. T'sais, selon vos témoignages, là, vous prenez une capsule ou deux le matin et vous avez de l'énergie en après-midi, alors que sans en prendre, vous en avez plus, vous tombez endormi, tout ça. Donc, c'est vraiment pour avoir de l'énergie, énergie et adaptogène qui est sous forme de capsule, tout en faisant face au stress. À chaque fois qu'on a des adaptogènes, je pense qu'on a quatre ou cinq formules homologuées comme adaptogènes. Donc, c'est toujours pour faire face au stress. Pourquoi ne pouvons-nous pas commander de la poudre de cacao en France? Je ne sais pas. Des fois, quand c'est alimentaire, on ne peut pas. Mais ce que vous pouvez de toute façon prendre, c'est les protéines au chocolat. Elles baignent dans le cacao, le même cacao qu'on vous propose, c'est le cacao. Quand je vous dis qu'on va chercher de la qualité, là, ces mélanges de protéines, venez goûter dans nos maisons ouvertes aujourd'hui, vous allez voir la différence. Et la teinture force, ce sont d'autres adaptogènes. Vous avez du rhodiola aussi dedans. Et l'extraction est différente. Quand on macère, t'sais, ce sont des concentrés. Et dans l'autre, c'est une macération. Donc, c'est complémentaire. Vous pouvez prendre les deux. Et si vous choisissez, parce que force, vous pourriez mettre très bien force dans votre shake. On vous offre force dans notre catalogue de récompenses. Donc, n'hésitez pas à mettre force ici. Il n'y a pas le même goût de chai, mais vous pourriez mettre force et quelques gouttes d'épices citrouilles. Donc, voilà. Et oui, vous pourriez mettre aussi dans votre shake au chocolat le collagène, par exemple, la créatine. Tu sais, les poudres qui ne goûtent rien, donc le collagène sans saveur, ici, se rajoute très bien. On prend les fibres, on ne mélange pas nos fibres dans une boisson repas. On les prend seules le matin à jeun. Bonne journée tout le monde. Je vous répète que nos maisons sont ouvertes aujourd'hui. En ligne, vous allez voir apparaître avec un panier de 90 $ ce parfum qui est, vous allez voir, faites-moi confiance, vous me connaissez, extraordinaire. Tropique avec une note de tête de mangue et ensuite un fond vraiment, vraiment, vraiment séduisant, là, t'sais. Puis de suédine, puis un beau cœur là, légèrement sucré, mais c'est pas trop, là, t'sais. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous allez aimer ça. Donc, vous pouvez venir dans nos maisons qui sont ouvertes aujourd'hui, puis venir. C'est un ami qui vient d'arriver à la maison. Et je vous invite à intégrer, et qui tousse, je vous invite à intégrer les protéines dans votre repas, au moins du matin. Vous allez voir, ça fait une belle différence.